Vous êtes content de faire ce jeu pour GQ ou pas? Oui, ouais, allez. On est content. On aime les jeux, à part Géraldine. Et GQ? On aime GQ et on aime l'homme de l'année, GQ. Oh, c'est vrai. L'année dernière. L'année dernière. C'est mon rêve. Ouais, ah, ça commence à faire ta l'autre passe bien. Pierre, tu peux poser ta première question. Oui, c'est allez, parti. À toi, Pierre. Sauriez-vous dire, les amis, quel est mon personnage de film préféré de tous les temps? Moi, je pense que c'est Jim Carrey. J'allais dire Jim Carrey. Dans Truman Show. Jim Carrey dans Truman Show. Oh la vache, vous m'en posez trois. Les trois, je les adore. The Mask. The Mask. Ah ouais. La fantaisie du truc. En tout cas, c'est Jim Carrey. La libération. En tout cas, c'est Jim Carrey. Bravo déjà. Truman Show, oui. Ouais, ouais, film préféré ou un de mes films préférés. Et il y avait Woody Allen, l'inventivité de comédie. Et le Grinch. Allez, je vais dire Louise. Un point pour toi. Bravo. D'accord, bravo. Super. Alors, deuxième question. À votre avis, quel est le moment le plus drôle du tournage de Fiasco? L'énumération de Pierre. Les points. L'imitation de Pierre, la séquence de ça. Voilà. Il y a une séquence dans un des épisodes. Vous savez me dire quel épisode? Épisode 4. Où Pierre nous fait deviner des imitations qui l'imitent. Et en dehors du fait que ces imitations étaient atroces et que c'était déjà très drôle, en plus, il avait un système de comptage de points impossible qui m'a tué la journée, au point que la maquilleuse était en colère après moi tellement elle n'arrivait pas à me raccorder. Après, vraiment, sur les imitations, on était de mal en pis. Ça commençait déjà depuis, et après, ça allait de pire en pire. J'ai toujours pas compris, d'ailleurs, le comptage. Le comptage était fou. C'est encore toi, Louise? Moi aussi, je riais beaucoup. Je réponds très vite. Elle a répondu vite. Waouh, donc deux points pour Louise. Pascal, peut-être, citez-moi trois films dans lesquels je joue. Oh là là. Five Radio Star. Tout ce qui brille. Et tout ce qui brille. C'est pour lui. Moi pour François. Alors, là, c'est quoi le comptage quand j'ai moi deux et elle une? Ah ouais, c'est quoi le comptage? Bravo. Oh, François, tu dis rien, mais quand tu dis, c'est super. C'est quoi le comptage, t'as dit? Là, du c'est coup, c'est quoi le comptage? 2 sur 3 et elle 1 sur 3. Donc non, c'est 0,25. Non, mais 25. C'est point pour François. Ouais, on est point d'accord. Ah, c'est Pierre qui décide les points en plus. Okay. François. Ouais. Je vais perdre. Top. Quand est-ce que j'ai pleuré pour la dernière fois? C'était ce matin. Ce matin, au maquillage. Au maquillage. J'ai eu mon visage. Non, pas du tout, c'est parce que le pinceau. Bah, c'est très intime, moi je pense savoir, mais je sais pas si on partage non, ça. C'est sûr non, que tu vraiment, sais pas. Vraiment non. Ah. C'est il y a très peu de temps. Sur un tournage. Non, j'ai pleuré en regardant. Mais c'était un lendemain. J'ai. Donc, je l'ai. Fragile, c'est vrai. Attends. Je l'ai. Oui, je te l'ai dit. Ah, mais j'ai pleuré depuis. Ah, t'as l'info. Attends, vas-y. Tu pleurais. Peut-être que tu vas pas bien. T'as pleuré en regardant un programme. Oui, j'ai pleuré devant Michael Jordan. C'est ça que je t'ai raconté. The Last Dance. Ah, c'est beau. The Last Dance, autre chose. Même pas un résumé de sa vie sur YouTube, je t'en chiale. Mais là, plus récemment encore, je crois avant-hier, j'ai pleuré devant des vidéos d'enfants qui sont réunis avec leurs animaux de compagnie qu'ils n'ont pas eu depuis longtemps. Oh, ouais, ça me bute. T'es à faire de faux quand même. C'est fort. On l'avait pas finalement. Il y a que toi qui l'avais. Non mais Pierre, il savait. Je donne à Pierre. Ouais. Je peux te donner les points? Non, bah pas vraiment parce que je l'ai pas. J'ai même pas. Bah c'est l'avant dernière fois. Je trouve ça quand même pas mal. Je dirais pas de points. Accepte-le le point. Ouais, tu peux le donner à qui tu veux. Moi je le prends avec plaisir, mais j'ai l'impression que c'est triché un peu. Question. Je pense sur celle-là. Selon vous, quelle est la scène de Fiasco qui a été la plus stressante à tourner et pourquoi? Alors, est-ce que c'est pas la cascade avec la moto? Ouais, pas mal. Moi, je dirais le premier jour. Toi qui joues dans cette... Ah oui. Allez, prends ça. Attention, mais c'est... Ouais. Ah ouais. Mais pas de spoil, mais effectivement... Là, le fait de dire pas de spoil, c'est cata, mais c'est toi qui joues. À un moment, tu joues, tu dois réaliser plus jouer, t'avais pas mal de textes. C'est vrai. Oui. Oh, le point. C'est un bon point. François, le punto. Le punto pour François. Merci, Geeks. Deux. Bien joué. Deux. Ouais. C'est quoi le compte des points là juste? Le compte de Monte Cristo, rien à voir. Non, c'est une autre promo. Ça. Ah pardon, attends un peu. Let's go. Alors c'est parti, let's go, j'enchaîne. Ouais. Avec qui je rêverais de chanter ou de faire un feat? Billie Eilish. J'aimerais bien. Justin Timberlake. J'aimerais bien. Justin Bieber. Taylor Swift. Taylor Swift. Oh. Attends, est-ce qu'on doit? Parce que là, ça peut durer des heures. Justin Triet. Le plus proche. Ok. Alors. Justin Triet. Dites-en tous un et je vous dis lequel je préfère. Ah, t'as dit Bi. Il est. Pour Igor. Il y a bien sûr. Tu peux redire Igor. J'aimerais bien faire un feat avec Justin. En plus, je cherchais un autre Justin. Justin Triet. Qui a dit Justin Triet? Allez, Justin Triet. J'adorerais travailler avec elle. J'adore cette chanson. Tu as envie de le voir, Sophie? Okay. Oui. Oui. Bon, ça, qui est mon star crush absolu? Oh. Ah bon? Alors ça, je sais pas. Je peux l'avoir. Moi, j'ai. Bah, je vais dire. Je l'ai. Ah ouais, bravo, c'est vrai. Je vais l'avoir ce point. C'est Chalamet? Chalamet. Ah oui? Mais t'avais balancé mon faux. Chalamet mal à l'aise? J'allais dire Jacoby Lordi. Non, c'est Timothée Chalamet. C'est plus moi, ça. J'allais dire Pierre Boulanger. Pas du tout.
Ok. Mais Timothée, les mots de la bouche, je plaisante. Oh. Ah oui, Timothée, les mots de la bouche, il a dit. Pas mal, pardon, pas mal. C'est dans la boîte. Point pour François. Non, moi, attends, je suis la même mal à l'aise, meilleure, franchement. Ouais. Elle est rouge parce que c'est son crush, je dis je suis la même mal à l'aise, c'est quand même top, non? C'est pas mal. Allez. Cringe. Cringe, commentez cringe. Pierre, enchaîne avec celle que tu veux. Allez. Ah. Il va perdre une heure. Super. J'adore. Le temps est compté. Vous passez en silence. Ok, vas-y, vas-y. Allez, allez, à moi. Je pose la question. Vas-y, relance-moi, pardon. Pierre, une question peut-être. Yes, c'est parti. Tu sais que mon temps est compté quand même. Oui, c'est vrai qu'on peut pas lui faire ça, malheureusement. Ah, mais moi, c'est moi j'étais bien monté en bas. Refais le long, s'il te plaît. Allez, vas-y. Remets en parfois. Il peut pas, il a plus qu'une minute. Mais si, vas-y. Allez, attends, il a. Non, non, arrête, arrête, commence pas. Fais-le jusqu'à la fin. Parlez pas de toi. Ok, ok. Alors, ça va. C'est maintenant, Pierre. Il veut ma tête, là. Ok. Ok. Maintenant. Ok. Pardon, j'ai dit, j'ai c'est j'ai bon. Ça y est, c'est bon. Quel est le film dans lequel j'ai préféré tourner de toute ma carrière? Oh. Five. C'est difficile. Five, ouais. C'est, diplomatiquement, ce serait dur de dire autre chose, mais non, assez mais... sincèrement, c'est vrai. Five, c'est potes, clairement dans ouais, le top 2 des films que j'ai après, préféré Gondry, tourner. Après, Gondry, c'était ton rêve. Gondry, j'ai adoré parce que c'était Gondry. Monte Cristo, c'était quelque chose. Monte Cristo, c'était une aventure de ouais, fou. Ouais. Boîte noire, l'investissement. Boîte noire, bah l'investissement. Un de tes premiers rôles, j'aime regarder les filles. Il en a beaucoup. En vrai, Five est très haut parce que énormément de fou rire et puis avoir l'impression d'avoir le droit de faire un film avec ses potes ou passer ouais. jour et nuit ensemble. C'était exceptionnel. Oui, imparable. Ouais. Une belle époque. Avec François, on était tellement épuisés de rire qu'on dormait par terre dans des coins du tournage, dans des loges. Ouais. Il s'en fout, il m'envoie que du. Il m'envoie que du. Point pour qui, Pierre? Point pour qui? Point pour Igor. Ouais, merci. Donc moi je suis pas mal, je reviens, je suis en comeback là, je suis à deux. Ouais, t'es bien, ah, deux, deux. Entre Justin Triet et ça Justin Triet, tu l'as eu. Justin Triet. Waouh. Géraldine. Oui. Pascal, concentre-toi, tu vas avoir le point. Allez, sûr. C'est ton point, c'est sûr. On laisse le point à Pascal. Allez, si, personne répond, allez, on joue pas. Faire. Et on triche pas, on lui laisse le point. Non, ouais. Oui, hein, sans tricher. Sans tricher, mais on lui laisse le point. Alors, alors voilà. Alors, si je n'étais pas actrice et réalisatrice, je ferais quoi comme métier? Styliste. Ouais. Mais on a dit cuistot. Cuistot. Attaché de presse. Non, la petite cuistot. Agent. J'ai deux escalopes, j'ai deux miellettes. Attaché de presse, agent. Non, mais ouais. Agent, il a dit agent. Je l'avais dit. Agent, c'est bien. Non, casting plus. Ouais. Casting. Non, mais je reste sur cuistot. J'ai trois points. Mais attends. Il reste un temps pour une question. Ah ouais. Allez, vas-y, il peut gagner. Pascal, deuxième question. Oui. Non, mais il va jamais gagner un point. Il faut que je gagne un point. Enfin, c'est pas pour moi. François, alors, enchaîne. Famille. S'il te plaît, François. Quelle est l'habitude la plus insupportable que j'ai en tournage? Ah bon? J'hésite, hein. L'habitude insupportable? Bah, tu manges pas de lait, par exemple, ou tu manges pas de champignons. Quoi pour Pierre? Ouais! Oh non, Pascal! Oh, je suis content d'être Fanny. Ouais. Cringe! Fanny Valette. Oh là là! Je vais chercher une Fanny, en fait. Oh là là! Fanny Ardant! La Fanny est revenue. Alors, comment je fais pour marquer un point? Bah, laisse tomber. Dis ta question. Comment je fais pour marquer un point? Igor, vas-y, prochaine. Allez, Igor. À votre avis, quel est l'acteur ou l'actrice que je rêve de faire tourner? Oh, bah. Steve Carell. Margot Robbie. Ouais, c'est pas mal, Steve Carell. Putain, pas mal. Ouais. Paul Puntos. Paul Puntos. Jonah Hill. Ouais, mais non, je crois que Steve Carell. Oui, my way. Sandler, Adam Sandler. Paul Puntos. Chris Pratt, un biopic de toi. Ouais, pas mal. Non, je dirais François. Oui. Bravo. Allez, encore une, Giggs. Combien t'es là? Allez, à moi. Ouais. Allez, encore une. Oh, alors non. Ça, c'est mais Louise, elle en a pas attends, fait. Attends, François, ça peut aller. Ça peut aller très vite. Nommez-moi le premier film que j'ai réalisé. Five. Non, il a réalisé un spot pour Contre la clope où c'était un condamné à mort qui parlait. En fait, c'était un truc pour la clope. J'ai pas le nom du truc, mais c'est ça. Ah, t'as pas le nom. C'est ça. C'est pas un film. C'est pas un film, c'est un spot. Le film, c'est Five. Spot, c'est Five. Dernière question. Allez, Pascal. Allez, dans combien de films j'ai déjà joué avec des gens autour de moi en ce moment? Ok. Deux. Voilà, déchiffrer. Elle est en hiéroglyphe. Ce qui brille, trois. Qui a écrit cette question à l'envers, là? C'est n'importe quoi. Trois. Les IA, c'est bien, les gars. ChatGPT, c'est bien, mais vérifiez quand même. Ce qui brille, et il y a aussi. Ah, vous avez un autre film ensemble? Oui. Ça fait trois. Mais pour moi, c'est. Ah, mais oui, j'avais oublié. Le juge est une femme. Le juge est une femme, bien sûr. Comment il s'appelle? Le juge est flic. Comment il s'appelle le film? Il s'appelle comment le film? PJ.
Ne t'inquiète pas, elle reviendra. C'est pas... Elle n'était pas attends, coupable. Attends, c'est pas de sa faute, c'est quoi. Non, ce n'est pas... C'est vrai, mais c'est quoi le truc sur le coup. Toi non plus, tu n'as rien vu. Toi non plus, tu n'as rien vu. Donc ça fait... Non, non, rien. Non, ça fait rien. Donc c'est brouillon. Mais Pascal, il sait pas, donc en fait, c'est compliqué. Mais si, j'allais le dire, ma 4. Allez, bonne réponse. Allez, point pour Pascal. Leslie, vas-y. Leslie. Quel est le meilleur souvenir de tournage qu'on partage tous les 7? Cette interview. Eh ben, peut-être le dernier jour. Là, on était tous les 7 le dernier jour quand, quand Pierre chantait. Ouais. Ah oui, peut-être ça. Il n'y avait pas François. Mais il est dans le film. Je m'en souviens. Dans le film, donc on a l'impression que t'étais avec François, il est incrusté parce qu'il n'était pas là ce jour-là. Il n'était pas dispo, donc il est dans la scène, mais il n'était pas là sur le tournage. On a l'impression qu'il était là. Mais t'étais là dans nos cœurs. On n'a pas en fait. Mais vous savez quoi? Je pense que c'est ce soir la projo devant 2000 personnes. Ah voilà. Yes. Il est fort. On lui donne les 5 points bonus. Pierre qui gagne. Tabas Lamousse. Wouh! C'est sur les pierres coupantes. GQ, 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 GQ.